Avec Nicolas Le Jardinier, notre expert en Bourgogne-Franche-Comté, vous officiez dans une grande jardinerie à Selon-la-Rue et avec nous régulièrement pour quelques bons conseils. Je le disais tout à l'heure, les plantes d'intérieur, on en a souvent reçu, on en a aussi donné parfois en cadeau. La vraie question, c'est comment bien les entretenir. En quelques mots, tout de suite, là, Nicolas, si je pousse la porte pour rencontrer un spécialiste comme vous, qu'est-ce que vous me dites? Déjà, il faudra faire attention à l'arrosage. Il vaut mieux qu'une plante manque un petit peu d'eau plutôt qu'elle en ait trop. Donc, bien laisser sécher la plante entre deux arrosages. Ça, c'est vraiment très, très important. Le rempotage aussi, ce serait important. Le bon choix du bon terreau, ce sera très important également. Il y a différents paramètres comme ça qui vont faire l'exposition également. Il y a vraiment différents paramètres qui vont faire qu'une plante va bien se développer ou va mourir. On va revenir sur tous ces exemples précis que vous nous avez donnés, avec du concret et une démonstration ensemble. Peut-être le temps, pour ne pas se planter sur les plantes d'intérieur, d'avoir quelques conseils en images. Regardez. Elles sont belles tes plantes, t'as la main verte. Oh, faut juste veiller au grain. Nous achetons toujours plus de plantes d'intérieur. 54% des Français en ont acheté au moins une en 2018. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus consommateurs. Oui, mais c'est pas le tout d'acheter un gros ficus, un yucca ou un aloe vera, encore faut-il le maintenir en bonne santé. Tout d'abord, veillez à ce que votre plante ait suffisamment de lumière. C'est souvent la première cause des ennuis. Ne la placez jamais à plus d'1,50 m d'une fenêtre, sinon vous empêchez la photosynthèse, indispensable pour qu'elle vive. A l'inverse, attention à ne pas brûler ses feuilles en l'exposant à trop de lumière, plein sud derrière une vitre par exemple. Et point trop d'arrosage, autre cause fréquente de décès des plantes. Mieux vaut pas assez d'eau que trop. Un excès d'arrosage va priver les racines d'oxygène et les faire pourrir. Par contre, n'hésitez pas à vaporiser de l'eau sur les feuilles, car la plupart des plantes d'intérieur sont tropicales et ont besoin d'une hygrométrie élevée. L'astuce, des billes d'argile au fond du pot, l'eau s'évapore doucement en épargnant les racines. Point trop de chauffage non plus. La température idéale se situe entre 17 et 19 degrés. Ok, avec tout ça, interdit de se planter. Lumière, arrosage, billes d'argile, qu'en pense Nicolas Le Jardinier? Non, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce reportage. J'ai senti Simon très très attentif aussi. Vous avez la main verte, Simon? J'ai la main verte, j'ai un jardin et des plantes d'intérieur. Ouais, et vous avez eu quelques soucis avec vos plantes d'intérieur? Avec une grande plante, vu que j'ai eu le malheur de laisser dehors l'été dernier, et en fait, toutes les feuilles ont brûlé. Donc, Mais justement, c'est une très bonne question. C'était une plante comme ça, d'ailleurs. D'accord, ok, c'est ce qu'on voit là. Okay. C'est quoi ça, cette plante? C'est un haricot. Ouais. Donc c'est vrai qu'après le problème, les plantes d'intérieur, c'est très bien de les sortir en extérieur en été, mais le problème, ça fait comme nous, première fois qu'on se met au soleil, on prend un coup de soleil, ben elles aussi, elles prennent un coup de soleil, elles brûlent. Donc si on veut les sortir, on les met à l'ombre et on va les acclimater tout doucement au soleil pour qu'elles s'habituent et qu'elles ne brûlent pas. Donc une plante d'intérieur peut sortir à l'extérieur, mais bien il faut faire attention. Au contraire, c'est même très bien, ça permet un petit peu, même quand il pleut, ça permet de les laver, il y a souvent de la poussière sur le feuillage, donc là ça les lave, elles ont des écarts de température entre le jour et la nuit, donc ça c'est vraiment l'idéal. Bon, après la question de Simon, j'ai une autre question sur notre standard interactif au 0805 383 383. Question de Michael, on vous écoute Michael. J'aime les plantes. Mon problème, mon appartement est sombre et je travaille beaucoup, j'ai vraiment pas du tout le temps de les entretenir. J'affectionne particulièrement les cactus ou les succulentes ou autres plantes grasses. Mon problème, c'est que elles meurent et tiennent vraiment pas. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez comme plantes qui ne demandent vraiment pas beaucoup de soins et qui ne sont pas très exigeantes en lumière? Merci. Merci pour votre question, Michael. Alors, cactus, plantes grasses, succulentes, c'est une plante, hein, il l'a dit, on l'a vu. Mmh. Quelle plante peut-on mettre, monsieur le jardinier, quand on a un problème de lumière et de soins, comme c'est le cas pour Michael? Déjà, pas de cactus, parce que c'est quand même des plantes qui aiment bien la lumière, comme les succulentes. Elles aiment bien également, en hiver, avoir des périodes de repos, donc un endroit qui va être assez frais. Quasiment pas d'eau également en hiver, donc en appartement, elles n'ont pas les meilleures conditions, surtout si c'est sombre. Après, pour mettre un appartement sombre, tout ce qui est fougère, ça marchera très bien. C'est des plantes qui aiment bien l'obscurité, qui aiment bien avoir un sol qui reste assez frais. Donc là, je dirais que c'est vraiment la plante idéale à mettre en appartement sombre. Allez, après une question, voici un témoignage au 0805 383 383. Bonjour Lissandra, j'ai l'impression qu'il y a des jolies plantes derrière vous. Où êtes-vous, s'il vous plaît, Lissandra? Bonjour, je suis Lissandra, passionnée de plantes et vendeuse dans une jardinerie qui organise des grandes ventes de plantes le week-end partout en France.
Alors beaucoup de mes clients me demandent s'ils peuvent mettre des plantes dans leur chambre. Eh bien oui, en fait, les plantes se rejettent, c'est sûr, du CO2 la nuit, mais en quantité infime. En termes de rejet de CO2, ça correspond à un chien ou un chat ou à un enfant qui respire dans la même pièce. Donc aucun risque d'asphyxie, vous pouvez dormir tranquille dans la même pièce que toutes vos plantes. Merci Lisandra pour ce très très bon conseil. Les plantes dans la chambre, alors visiblement c'est ok, mais on peut mettre quoi d'après vous Nicolas? On peut mettre des plantes dans les chambres, ça c'est pas un problème, il faut pas en mettre 50, une ou deux c'est très bien. Il faut faire attention d'ouvrir les volets régulièrement, ou s'il y a des rideaux, les ouvrir. Et après en plantes, on peut mettre, il y a vraiment beaucoup de plantes, on peut mettre des plantes dépolluantes comme le spatifilum, l'anthurium, l'aloe vera également, une très très bonne plante parce qu'elle elle va un petit peu supprimer tout ce qui est néfaste et elle va aider également à l'endormissement. Donc voilà, ça fait partie vraiment des plantes qui poussent très bien, le chlorophytum également, c'est des plantes dites dépolluantes qui fonctionneront très bien dans les chambres. Un petit peu comme Michael ou comme Lisandra, si vous souhaitez une prochaine fois intervenir avec l'un de nos experts, comme ça se passe du lundi au vendredi, voici un numéro de téléphone qui va s'afficher. Pendant ce temps-là, nous, on va se déplacer avec Nicolas pour aller vous présenter une démonstration. C'est le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Dites-moi, Nicolas, est-ce que dans une maison, il y a une pièce où on ne doit absolument rien mettre, pas de plantes? Je pense aux toilettes, par exemple. Vous savez, là, on va faire popo et pipi. Non, après, on peut mettre dans toutes les pièces. À partir du moment où il y a de la lumière, on peut mettre des plantes. Il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Alors, le problème, c'est de les entretenir. Voilà pourquoi on est près de cette table de démonstration pour savoir réellement ce qu'il faut faire. Alors, dites-moi un petit peu tout ce qu'on a là. On a un éventail de tout ce qu'on pourrait avoir dans la maison, c'est ça? Un petit peu un éventail de tout ça. Effectivement, on a donc l'anthurium, le spatifilum, le zamioculcas, l'asparagus, ouais. Le chlorophytum, qui est également une très bonne plante dépolluante. Il faut parler latin quand on est jardinier. Hein. C'est vrai. Ouais. Là, on a du guzmania, on a du peperomia, on a un ananas là-bas également. Donc, on a vraiment différentes plantes qu'on trouve régulièrement dans les intérieurs. Le problème, c'est donc l'entretien. Et là, je suis certain que celles et ceux qui nous regardent se disent comment j'ai arrosé tout ça? Vous avez des billes d'argile, vous avez un petit peu de terreau, j'imagine. Expliquez-moi ce qu'on va faire. Donc pour l'arrosage, qu'il faut faire surtout? Donc pour l'arrosage, ce qui est très important de faire, c'est bien de laisser sécher entre deux arrosages, donc comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a une plante, là, on voit le terreau qui est quand même relativement. Oui, il y a un repère pour voir si c'est sec. On met le dos à tout. Il faut toucher. Il ne faut pas faire tous les dimanches, j'arrose mes plantes, surtout pas, parce que si elles sont trop humides, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va être plutôt néfaste, ça va les faire pourrir au niveau des racines. Une fois que les racines sont pourries, elles ne pourront plus alimenter la plante. Donc on prend son doigt, voilà. Messieurs, on prend son doigt et on touche. Donc là, le terreau est encore relativement frais, okay. Donc on n'arrose pas. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est très important également, c'est l'exposition, donc des expositions plutôt ensoleillées. Pas trop loin ni trop près d'une fenêtre pour lumière pas que ça directe brûle. Ou indirecte, ça dépend des plantes, mais on peut mettre de la lumière directe à condition de les mettre pas trop loin d'une fenêtre. Et en plein été, on peut les reculer un petit peu plus parce que si on a encore une canicule, ça risque de brûler. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ce qui est très important également, surtout en hiver, c'est de les pulvériser parce qu'on a des hygrométries très très faibles en intérieur, dû au chauffage central, au chauffage au sol. Donc on a vraiment des atmosphères très très sèches. Et donc du coup, on a donc des plantes qui souffrent. Donc ce qui est très bien, c'est de les pulvériser. Donc on va donc les pulvériser avec une eau non calcaire. Pour éviter d'avoir des traces de calcaire. Si je fais bien, parce que vous l'avez fait sur le bas. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire un peu partout. On peut le faire vraiment sur toute la plante. Ce qui est très bien également, c'est d'utiliser, comme on disait tout à l'heure, des billes d'argile. Donc, d'avoir des soucoupes remplies de billes d'argile. Donc, la petite astuce. Je vais montrer ces soucoupes parce que ça, c'est super important, parce que vous allez super vite, parce que vous êtes le TGV du jardinage. La petite astuce, ça va donc d'être de mettre une grande soucoupe, de mettre une plus petite par-dessus. On voit ça, la petite et la grande soucoupe, là? Autour. On va donc installer de la bille d'argile. Ouais. J'ai compris, ok. Vous allez surélever la plante. Voilà. C'est ça l'astuce en fait. On met donc ensuite, une fois qu'on a bien rempli, on va donc remplir avec de l'eau. De l'eau tout autour. D'accord. Ensuite, on va donc disposer la plante dessus. Ça évitera en fait que la plante, elle trempe en permanence dans la bille d'argile. Et ensuite, l'eau en s'évaporant va donc apporter une certaine hygrométrie au niveau du feuillage. Parfait, très bien. On soulève avec On surélève pour éviter que les racines soient en permanence dans l'eau. Génial ça. Et on fait ça souvent là? Tant qu'il y a de l'eau dans la soucoupe, on laisse comme ça. Dès qu'il n'y a plus d'eau, on remet de l'eau. Moi je dis bravo. Dernier petit conseil de Nicolas le jardinier pour l'entretien de nos plantes. Autre conseil très important, ça va donc être le rempotage. Là c'est vraiment le plus important. Donc pareil pour le rempotage, on va donc prendre un pot
percer au préalable pour que l'eau s'évacue. On met donc de la bille d'argile. Je précise, hein, le pot, il est là. Voilà, il est là. On l'a percé là pour la démonstration. Il n'est pas percé. Mais voilà, on l'a percé et on verse. On met donc de la bille d'argile. La bille d'argile aura un intérêt très important. Ça va donc permettre de drainer. Donc pour drainer, ça va donc tous les excès d'eau vont donc partir dans une soucoupe ou ailleurs pour éviter qu'il y ait trop d'eau au niveau des racines. Très bien. Une fois qu'on a mis la bille d'argile, on va donc mettre un morceau de géotextile. Donc le géotextile va donc avoir pour intérêt de séparer la terre de la bille d'argile. Si on ne met pas le géotextile, la terre va descendre dans la bille d'argile et la bille d'argile va donc perdre son intérêt drainant. Ensuite, au niveau du rempotage, on va donc choisir un terreau de qualité. Un terreau plante verte, c'est vraiment l'idéal. Éviter les terreaux premier prix, surtout pas les terreaux universels qui sont beaucoup trop lourds. Ouais. Là, ce sont des terreaux qui sont faits à partir de fibres de coco. On voit, il y a beaucoup de fibres dedans, c'est très drainant. Donc on utilise toujours donc des terreaux très très drainants qui ne vont pas retenir trop l'eau pour pas que ça pourrisse au niveau des racines. Donc on va donc mettre de la terre dans le pot. Ensuite, on va donc venir installer la plante. Donc on retire donc le pot de culture. On démêle légèrement les racines. Une fois qu'elles sont démêlées, on met la plante. Et ensuite, on remplit avec de la terre tout autour. Moi, je dis bravo. Bravo pour cette éducation. Et on arrose. Merci Nicolas. Très bon plan à retrouver sur France3.fr et sur vos écrans connectés. Là, on va...